96% recette là yo c'est Port-au-Prince qui percevoir yo et reste là c'est ville province là yo qui ça avait à peu près 3% c'est ville province là yo. Maintenant, je ne pas si nous constatons que il y a un pile d'efforts qui fait là, qui déploie là pour construire de nouveaux centres d'impôt en province. Et de côté, nous constatons que il y a des agences locales des impôts. Nous allons doter de centres d'impôt. Par exemple, au côté de Wanamet, Wanamet son côté grand pile activité là-dedans. Avait dit que grand masse imposable là-dedans qui fait que l'administration est obligée de concevoir un autre type de structure qui pour faire face à et genre de problème ça. Direction générale des impôts jusqu'à juillet li prend la li percevoir 15,920 milliards alors que les prévisions étaient 15,800 milliards. Donc ça veut dire que li gon écart positif on surplus de 119 millions de près de 119 millions de gourdes par rapport aux prévisions et par comparer aux réalisations de exercice antérieur. C'est 490 millions de gourdes en plus que l'administration a collecté. Et au début, l'autre prend et début exercice là, il était fixé objectif là à 21 milliards. Maintenant, ce qui était arrivé, c'est que après intempéries, Cindy, etc., parce que son bail est très simple, on fiscalité à ce qui prélèvement fait sous revenu national, là, pas l'autre bagaille. Maintenant, si revenu en diminué, perception, hein, pas capable de diminuer, la diminuer. Maintenant, qui ça ministère a fait? Ministère a diminué prévision. Hein, compte tenu de diminution, parce que là, il a fait prévision, il a prévu un taux de croissance d'à peu près 7%. Et taux de croissance, il a rendu compte qu'il était tombé à peu près à 2%. Donc, il n'y a pas de kakembe, même niveau de prévision encore. Donc, il était venu réduire à 18,8. Sous prend 15,9 que nous est là. Et c'est 2 mois crété. Ou on est divisé par. Ou fait différence là. Ou divisé différence là par 2. Ou après nous compte que. Et là, bon, à peu près 1,3 ou 1,4. 1,4, ce n'est pas un lien pour DGI, non, moi.